Allez. Ah. Ouh. Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on allait parler d'énergie thermique, on va parler d'énergie interne et de chaleur. C'est des notions qui sont un petit peu compliquées à aborder au départ, et puis ensuite, ça va aller, vous verrez que finalement, ça devrait assez bien se passer. Donc, on en est au cours numéro 8 et 9, hein, pour ceux qui suivent mon syllabus, et on va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, la première chose qu'il y a à bien comprendre hein, quand on parle de chaleur, d'énergie interne, c'est justement cette définition d'énergie interne. Alors nous, on ne va pas parler seulement de température. On va essayer de parler en termes énergétiques. Dire qu'il fait chaud, donc il y a de l'énergie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a de l'énergie interne parce qu'il y a une température élevée. Mais en fait, on peut faire un lien direct entre la chaleur et la température, pardon, et l'énergie. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Alors, la définition de base hein, de l'énergie interne, ça va partir du mouvement des particules. Vous le savez normalement depuis la quatrième, que quand vous avez un corps qui a une certaine température, on va prendre un corps qu'on appelle chaud, alors attention avec ce mot chaleur, on va dire avec une température importante, donc j'ai un corps. Ce corps a une température qui est élevée. Pourquoi? Eh bien parce que les particules qui sont en son sein, eh bien vont avoir une grosse agitation moléculaire. Les particules vont avancer à des vitesses qui sont très très importantes. Et du coup, en se cognant, en se frappant, moi, ma main, si je mets la paume à cet endroit-là, eh ben, je vais avoir des chocs, plein de chocs de particules qui vont m'échanger leur énergie cinétique contre autre chose. Et cette autre chose, c'est moi, ma main, qui va chauffer à son tour. Un peu comme des boules de billard qui vont se rencontrer les unes les autres. Eh bien, quand il y a des particules ici qui vont venir frapper ma main, eh ben, ça va exciter les particules de ma main qui, à leur tour, vont commencer à prendre un certain mouvement et une certaine vitesse. Et donc, ce qu'on appelle énergie interne, en fait, c'est de l'agitation moléculaire. Cette énergie, on va en avoir plus ou moins en fonction, bien, de pas mal de choses, du nombre de particules, mais on va avoir aussi une certaine énergie qui va dépendre de la vitesse de ces particules et de l'agitation de ces particules. Oui, effectivement, hein, quand je dis nombre de particules, en fait, je parle de la densité. Plus il va y avoir de densité de population là-dedans, plus je vais avoir de particules qui vont venir me taper dans ma main, et plus elles sont agitées, plus moi je vais chauffer vite. Donc au contraire, hein, si j'ai quelque chose, le même solide un peu plus tard, et que je vois que les particules n'ont presque plus de vitesse, je vais me dire, ah, là, l'énergie interne est faible. Et d'ailleurs, hein, entre ces deux-là, j'ai perdu de l'énergie. J'ai perdu de l'énergie parce que je suis passé d'une température T1, importante, à une température T2, importante. Et le fait que je passe de T1 à T2, donc que je passe d'une énergie interne à une autre énergie interne, eh bien, ça veut dire que quelque part, vers l'extérieur, j'ai eu un flux d'énergie qui en est sorti, et ce flux d'énergie qui en est sorti, c'est de la chaleur. Je l'avais bien défini au premier terme. Et donc, ici, pour passer de T1 à T2, ça veut dire que j'ai perdu de l'énergie vers l'extérieur. Et cette quantité d'énergie, Q, elle se définit par M CV
delta T. Avec M, la masse en kilogrammes, CV, la capacité calorifique de solide dans lequel je suis. Alors ça dépend de tous les solides, hein, mais ça va être fixe par exemple pour l'eau, hein, ça va avoir une donnée qui est particulière. Et delta T, c'est pas du temps ici, attention, c'est un delta de température. Et donc on voit hein, que, en fait, j'ai une certaine quantité d'énergie interne dans mon solide, et quand je perds de l'énergie interne, c'est perdu sous forme de chaleur. Alors, on arrive tout de suite à mon deuxième point. C'est quoi, du coup, ce flux de chaleur? Comment est-ce que je peux avoir une perte d'énergie calorifique? En fait, j'ai trois façons de le faire, mais à chaque fois, un flux de chaleur, c'est toujours la même chose. Je vais la perdre en ayant un corps qui est chaud. Alors quand je dis chaud, hein, ça veut dire température élevée. Et un corps qui est froid. Pareil, hein, quand je dis chaud et quand je dis froid, quand je dis température élevée et température faible, en fait c'est température plus élevée. Il suffit que j'ai 1 degré de différence, ça va. Et donc, à partir du moment où je mets les deux en contact, je vais avoir un flux de chaleur. Et en fait, il y a trois façons, il y a trois types de flux de chaleur différents qui existent. Le premier, c'est tout simple, quand on met un solide d'une certaine température avec un solide qui est plus froid en contact. Dès qu'il y a contact entre deux solides qui ont des températures différentes, j'initie un flux de chaleur. En fait, simplement, le fait de les avoir un corps contre l'autre, il va y avoir un transfert par conduction, ça conduit la chaleur. Et donc, c'est un transfert tout bête par contact. Et ce transfert par contact, il est toujours très efficace. Quand vous avez, par exemple, quand vous êtes à côté d'un radiateur, ok, vous pouvez dire ça chauffe. Maintenant, si vous mettez la main sur le radiateur, eh bien, tout de suite, vous vous rendez compte que en conduction, ça va chauffer très fort. Et c'est souvent hein, ce qu'il y a de plus efficace en transfert, le contact direct. Évidemment, si vous ne voulez pas avoir ce type de transfert, vous allez devoir mettre un isolant thermique entre les deux. Un isolant thermique, ça va faire que ça va enlever le contact direct entre un corps chaud et un corps froid. Je ne rentre pas vraiment dans le détail, hein, mais pour faire simple, à chaque fois que vous avez déjà un changement de milieu, eh ben vous avez une rupture dans cette conduction. Et donc, si vous enchaînez des morceaux de fer qui ne sont pas vraiment attachés les uns avec les autres, juste posés contre, eh ben, ça ne va pas être la même chose que si vous avez un morceau de fer qui est continu. Et si vous changez de matériau et que vous prenez un matériau de l'isolant thermique, par exemple l'air est plutôt un bon isolant thermique, eh ben, si vous écartez les morceaux de fer comme ça, la conduction par contact se fera avec l'air pas du tout, presque. Par contre, vous allez avoir d'autres types de conduction. Et la meilleure protection contre la conduction, c'est quoi? C'est le vide. Ben oui, s'il n'y a pas du tout de matériaux, s'il n'y a pas du tout de matière, il n'y a pas de contact et du coup, il n'y a rien. Donc vous avez la conduction. Le deuxième, c'est quoi? Si vous mettez la main au-dessus d'un radiateur, vous allez sentir quoi? Ben, vous allez sentir de l'air chaud qui remonte. Cet air qui est gorgé de chaleur, c'est ce qu'on appelle de la convection. C'est l'air chaud qui va transporter ce flux de chaleur. Ça marche plutôt pas mal, hein, mais ça reste toujours un peu très limité par rapport à la conduction par contact. Il faut un fluide pour ça. Quand je dis air, en réalité, c'est la convection, c'est dès que vous avez un transfert par le biais d'un fluide. C'est pratique parce que les fluides, ça se déplace. Donc, vous pouvez chauffer toute une pièce avec un radiateur
même si vous n'êtes pas directement en contact avec lui et même si vous n'avez pas la vision sur lui. Et le troisième type de rayonnement que vous allez avoir, c'est le rayonnement. Voilà, donc le rayonnement, c'est le troisième type de transfert. Le rayonnement, c'est quoi ? Eh bien, si vous approchez d'un feu, vous sentez une chaleur qui est sèche qui vous frappe. Cette chaleur, elle est un peu bizarre parce que c'est pas de l'air chaud qui arrive. Ça, vous l'avez quand vous mettez la main au-dessus. Vous sentez, ça vous brûle tout de suite. Mais ici, vous avez une chaleur sèche, quelque chose qui est un peu particulier et assez inimitable. Et cette chaleur sèche, c'est une chaleur, c'est en fait un transfert d'énergie par rayonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contact, c'est pas le fluide hein, qui envoie de la chaleur, mais c'est directement le fait que les ondes électromagnétiques peuvent transmettre de l'énergie par rayonnement. Et d'ailleurs, si vous prenez un capteur, une lampe à infrarouge, elle va commencer à paniquer parce qu'elle va voir, elle, beaucoup de rayonnement qui lui arrive et c'est ça qu'elle va détecter. Et dans les trois cas, on va avoir un transfert d'énergie du corps chaud vers le corps froid. Le corps chaud va perdre de l'énergie interne, le corps froid va en gagner. Encore une fois, la somme totale d'énergie à la fin sera toujours la même. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, on va prendre un petit exemple et on va prendre le feu pour exemple. Parce que c'est un exemple qui pose un petit peu les choses. Donc, si je reprends le feu, je vais le faire en rouge. Hein. J'ai le feu, j'ai une flamme. Et j'ai une casserole. Ici, ma casserole, vous l'avez compris, c'est mon corps froid. Alors, froid, tout est relatif, mais en tout cas, plus froid que le feu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quel type de rayonnement je vais avoir entre une casserole et le feu ? Alors, on l'a vu, la casserole a du... Le feu génère un rayonnement. C'est vrai pour toutes les sources de chaleur, mais c'est vrai particulièrement pour celles qui sont assez intenses. Si vous cherchez le rayonnement de la table devant laquelle vous êtes, vous n'allez pas sentir. Alors que le feu qui est très chaud... va fournir du rayonnement qui est très important. Donc on a un premier échange de chaleur par rayonnement. Sauf que vous n'allez pas cuire un steak par rayonnement. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps. En soi, vous pouvez, hein, mais ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Donc on ne fait pas ça. Et on va travailler, en fait, par convection la plupart du temps. La chaleur, l'air chaud monte et va chauffer le haut de votre poêle, le bas de votre poêle. Mais si jamais votre poêle, vous la posez complètement sur les braises et qu'il y a contact, à ce moment-là, on va avoir de la conduction. Donc si vous posez votre casserole sur les braises, là, il y a conduction et transfert de chaleur direct par contact. Ok, donc ça, normalement, c'était assez simple. Une fois que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, contact, transfert à un fluide, ou alors simplement transfert par rayonnement. Maintenant, on va parler de choses qui sont, de notions qui sont des bases de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est toute une matière d'études qui est en physique, en école d'ingénieur, hein, souvent on l'appréhende aussi un petit peu, parce que c'est important, toute la mécanique qui régit, qui parle des transferts thermiques et des transformations d'énergie, notamment liées à la chaleur. La mécanique de la chaleur, la dynamique de la chaleur, la thermodynamique. Alors, elle se base sur deux grands principes. Le premier principe de la thermodynamique... Le premier principe de la thermodynamique, on en a déjà parlé, vous vous en rappelez peut-être, c'est la conservation de l'énergie.
Je vous ai déjà dit que l'énergie se conserve. Et du coup, en quantité, on le répète, mais on l'a déjà dit une fois, en quantité, quand vous prenez un système fermé, eh bien, vous avez toujours la même quantité d'énergie à l'intérieur. Cette conservation de l'énergie, elle est vraie pour toute l'énergie, mais elle est vraie en particulier ici pour l'énergie qui est interne. Et donc, comment est-ce que... je vais dire ça, donc je vais déjà écrire l'énergie se conserve. Et je vais écrire que la variation d'énergie interne, donc ce que je perds en énergie interne, c'est égal à au travail plus la chaleur. Ou tel que je l'écris, à la chaleur plus le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fournis du travail, si mon système, comme il est chaud, il a de l'énergie, il peut faire quelque chose avec cette énergie. Eh bien, si je fais quelque chose avec cette énergie, je fournis un travail, et ce travail va faire que je vais en perdre de l'énergie. Et je vais la perdre sous forme de chaleur, sous forme de travail. Je vais transformer de la température, en quelque sorte, c'est pas très juste de dire comme ça, de l'énergie thermique, de l'énergie interne, en travail. Et ça peut être autre chose, hein. Si je ne fournis pas de travail, ça veut dire que j'ai des pertes, que j'ai chauffé mon environnement. S'il n'y a rien qui a été produit avec ça, eh ben, ça veut dire simplement que j'ai un flux de chaleur qui est parti, par exemple en perte. Ça peut être volontaire, hein. Un radiateur par exemple, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un flux de chaleur. Bon, ça c'est une formulation qui est un peu compliquée, tout ça pour retenir que eh bien, l'énergie que j'ai au départ, c'est la même que celle que j'ai à la fin en enlevant ce travail ou cette chaleur qui est partie, tout ce qui sort comme énergie de mon système. Inversement, hein, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je vais en rajouter de l'énergie, eh bien je me rends compte que je vais avoir mon énergie interne qui va augmenter cette fois plutôt que de descendre. Il faut vous dire que si j'ai un système fermé, de toute façon je ne peux pas continuer à remplir. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle une bombe. Hein. Si je remplis d'énergie sous forme de chaleur un objet en métal, au bout d'un moment, il explose. Ça s'appelle une bombe. La deuxième notion, elle est un poil plus subtile. Je vous en parle quand même, elle n'est pas au programme, mais ça permet de fixer un petit peu les choses. C'est l'entropie. L'entropie, pour faire très simple, c'est une notion qui représente le désordre dans un système donné. Et un système va toujours avoir tendance à passer de l'ordre au désordre. Et donc, quand vous avez un système qui est ordonné, eh ben, l'entropie va faire que vous avez tendance toujours à aller vers un système qui est le plus désordonné possible. L'exemple est vraiment illustratif, hein. C'est pas tout à fait ça, mais pour faire simple, si vous jetez une assiette contre un mur, ça vous fait des bouts d'assiette. Si vous jetez des bouts d'assiette contre un mur, ça vous fait pas une assiette, ça vous fait des bouts d'assiette plus petits. Ben, c'est exactement ça, mais en termes énergétiques, en fait, tel que je vous la présente aujourd'hui. Le désordre dans mon univers ne va faire qu'augmenter, et du coup, moi, si j'ai deux solides qui sont en contact, un chaud et un froid. Si j'ouvre la paroi ici, je vais avoir un mélange qui, au final, va me donner quelque chose qui est tiède.
Alors, ok. Jusque-là, ça semble un peu logique. Si j'ai du chaud que je mélange avec du froid, ça va me faire du tiède. Ouais. Mais en gardant sans rapporter d'énergie en plus dans mon système, il n'y a aucun moyen que je puisse de nouveau séparer le chaud et le froid. L'ensemble est tiède. C'est un état qui connaît plus de désordre que l'état ordonné où j'ai d'un côté le chaud et d'un côté le froid. Et du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Ici, je n'ai pas une double équivalence. Quand j'ai mélangé de l'eau chaude avec de l'eau froide, eh ben, je ne peux pas, sans rajouter de l'énergie, avoir du chaud, du chaud d'un côté et du tiède de l'autre. Et ça, c'est très important. Et c'est très puissant. Ça sert en fait à dire qu'il y a tout un certain nombre de systèmes qui sont irréversibles. En fait, tous. Il n'y a aucun système qui est parfaitement réversible. C'est-à-dire que si je fais monter, par exemple, une voiture sur une montagne, je vais dépenser de l'énergie pour ça. Mais quel que soit le générateur que je mette, si je fais descendre cette voiture, je récupérerai jamais autant d'énergie que ce qui m'a coûté pour la monter. On va prendre un tout petit exemple pour essayer de bien comprendre ça. Et comme pour le coup, j'aime bien les exemples un petit peu par l'absurde parfois, on va essayer de déterminer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un moteur qui est dit surnuméraire. Alors, je suis très théorie du complot, j'aime bien ça, ça me fascine de regarder ça, et ça me fascine de voir pourquoi les gens n'ont pas compris des notions scientifiques qui sont pourtant des notions de base hein, qu'on enseigne à votre niveau. On va essayer de comprendre ça pour tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire un moteur qui produit plus d'énergie que ce qu'il en reçoit? La première raison, elle est simple. Le premier principe, je vais juste l'écrire. Hein. Pourquoi on ne peut pas faire de moteur qui produisent. Alors, quand je dis moteur, c'est une machine. Hein. Plus que ce qu'ils reçoivent. Eh bien, en fait, c'est pas très compliqué. On va voir tout de suite. La première raison pour laquelle je ne peux pas l'avoir, c'est le premier principe de la thermodynamique. Quand j'ai un système, rappelez-vous, ce système a une certaine énergie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il produise de l'énergie. Donc, il faut que cette énergie qui soit utile sorte de mon système. Le premier principe me dit quoi? Pour sortir de l'énergie, il faut que j'ai de l'énergie qui entre, que j'ai l'énergie absorbée par mon système. D'ailleurs, hein, vous rappelez, j'ai écrit que l'énergie absorbée, c'était l'énergie utile plus les pertes. Et donc, tel que je disais, hein, j'ai toujours des pertes, mais même si je n'ai pas de pertes, eh ben, si on oublie complètement ça, l'énergie absorbée, c'est égal à l'énergie utile si j'ai un système avec 100% de rendement. Alors ça, ce serait déjà génial. Hein. Ce serait génial parce que ça veut dire que j'aurais par exemple une voiture qui ne consomme pas de carburant. Elle n'en produit pas non plus. Hein. Mais avec 100% de rendement, elle produirait autant de carburant que ce qu'elle en consommerait. Ce serait dans un monde déjà plutôt pas mal. On est loin du surnuméraire, mais le premier principe me dit que ce n'est pas possible de voir du surnuméraire. Et le second principe, il me dit un moteur à 100% de rendement, c'est pas possible non plus. En fait, quel que soit mon système, j'ai toujours besoin, dans les systèmes thermiques, d'avoir une source chaude, une source froide, mais même plus généralement, j'ai toujours des pertes
quel que soit mon système. Et si petites soient ces pertes, j'en aurai toujours. Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes qui ne sont pas réversibles, particulièrement les moteurs thermiques. J'ai besoin d'une source chaude, d'une source froide, mais du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser 100% de ma source chaude. Je vais toujours avoir de l'énergie interne qui ne va pas être consommée. Puis plus généralement, de toute façon, comme j'ai toujours des pertes, eh bien, je ne pourrai pas réutiliser ces pertes. Vous imaginez bien que je ne peux pas utiliser les particules qui ont été éjectées de la voiture parce que ma voiture se déplace et qu'elles ont frotté sur la voiture et donc il y a du mouvement de particules. Ces particules-là, je ne vais pas pouvoir les utiliser pour refaire un système derrière. Et même si j'arrive à utiliser ça, j'aurai d'autres pertes toujours partout. Et du coup, je ne vais jamais pouvoir avoir autant d'énergie à la fin que ce que j'ai au départ. Je ne peux pas recycler mes pertes. Alors, on essaye de le faire. Il y a des systèmes qui le font avec plus ou moins de succès. Il y a des systèmes qui le font vraiment pas mal, d'ailleurs. Mais j'ai quand même toujours cette notion de perte qui arrive et qui m'empêche d'avoir un moteur surnuméraire. Voilà, j'ai presque fini, rassurez-vous. La dernière chose que je dois voir avec vous, ce sont les machines. Alors, ce qu'on appelle une machine thermique, c'est tout simplement un système qui permet de faire un transfert de chaleur avec un transfert de travail ou inversement. D'ailleurs, souvent, c'est inversement. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être pour un moteur, ça va être de bouger. Par contre, pour un frigo, qui est la deuxième machine thermique qu'on va voir, eh ben, ça va être d'avoir un flux de chaleur. Donc j'ai trois systèmes, et vous allez voir qu'en réalité, je n'en ai que deux. Ces trois systèmes, c'est déjà le moteur. Le deuxième système, c'est la pompe à chaleur. Alors, je vais écrire PAC, hein, c'est plus rapide pour moi. Pompe à chaleur. Mais d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, on parle parfois de chaudière PAC. Ben voilà, c'est typiquement une pompe à chaleur. Et le troisième, c'est un frigo. Ok. Alors, le but d'un moteur, c'est quoi ? Le but d'un moteur, c'est de se déplacer. Se déplacer, ça veut dire fournir un travail. Du coup, quand je dis fournir un travail, eh bien, à partir de ça, bah, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un flux d'air chaud. Alors, quand je dis flux d'air chaud, c'est une source chaude. Source chaude. J'ai une source froide. Et en fait, je vais avoir de l'énergie qui va être transférée de ma source chaude et ma source froide. Ça, c'est de la chaleur. Et je vais venir ponctionner, en fait, dans ce flux qui est naturel. Donc j'ai un transfert d'énergie de la source chaude vers la source froide et je vais venir en détourner pour récupérer un travail. En fait, je vais simplement exploiter un flux naturel pour venir me mettre au milieu et dire « Oula, moi l'énergie là, elle m'intéresse » et je vais m'en servir pour faire tourner quelque chose. Et je peux le faire parce que j'ai un flux qui est un petit peu, vous voyez ça, un petit peu comme une rivière qui coule. Et le travail, c'est simplement l'hélice que je mets, la roue à aube que je mets. Pour avoir une rivière qui coule, il me faut une certaine hauteur d'un côté, une hauteur plus basse de l'autre. Ça fait couler la rivière. Et si je suis un peu malin, je peux mettre une roue à aube au milieu et récupérer du travail. Et ben, c'est exactement pareil, sauf qu'on va le faire avec une source chaude et une source froide. On va en fait utiliser le flux de chaleur pour ressortir ceci. Alors, une pompe à chaleur, eh ben, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, j'ai toujours une source chaude. Alors,
ma source chaude. Ici, ça va être ma maison, par exemple. Ou une piscine, si vous avez une pompe à chaleur, parfois c'est pour chauffer les piscines. Vous avez une source froide. Comme tout à l'heure, puisque j'ai une source chaude et une source froide, naturellement, je devrais avoir un flux d'énergie qui se fait dans ce sens-là. Sauf que cette fois-ci, eh bien, je vais mettre du travail. Je vais rentrer du travail dans ce flux. Et ça va perturber ce flux. Alors, on va utiliser un compresseur, un détendeur. On fera peut-être des exercices en classe avec ça. Mais pour faire simple, je rentre du mouvement. Je fais tourner quelque chose qui va me comprimer de l'air, décomprimer de l'air. Et en fait, ça va faire que je vais contrarier le flux naturel. Et du coup, ma chaleur, elle va plus aller dans le sens naturel, mais elle va aller dans l'autre sens. Parce que je vais rajouter du travail et du coup, je vais pouvoir retourner le flux de chaleur. Et je vais pouvoir tirer de l'énergie de cette source froide pour la rentrer dans ma source chaude. Ça sent pas très logique, mais en fait, c'est simplement un chauffage. La source chaude, du coup, mon chez-moi, il chauffe. Et il chauffe grâce au moteur de la chaudière. Alors, on l'a aussi dans un frigo. Et vous allez voir tout de suite que le frigo, c'est un peu le même principe. Vous avez une source chaude dans un frigo. Une source froide. Alors, c'est quoi la source chaude dans le frigo ? Alors, la source chaude dans le frigo, c'est la pièce. La source froide, c'est l'intérieur de mon frigo. Et qu'est-ce que je veux faire ? Si je laisse faire normalement, si je débranche mon frigo, il se passe quoi ? J'ai un flux de chaleur de la source chaude vers la source froide. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de prendre l'énergie qui est dans mon frigo, l'énergie interne de mon frigo, et la renvoyer dans l'extérieur de ma pièce. Et en fait, en refroidissant mon frigo, je vais réchauffer la pièce. Et pour ça, il faut que je contrarie aussi le flux de chaleur. Et là, on remarque quoi ? Ah bah oui, pour contrarier un flux de chaleur, on l'a vu, on peut le faire en ajoutant du travail. Et on se rend compte qu'un frigo et une pompe à chaleur, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, si vous mettez la main derrière votre frigo, vous vous rendrez compte, vous pouvez faire l'expérience, s'il n'est pas dans un meuble, ce qui est souvent le cas, mais mettez la main derrière un frigo et vous verrez, c'est chaud. C'est pas très chaud, mais c'est chaud. Pourquoi c'est chaud ? Parce que ça a pris de la température, de la chaleur de la source froide, ça a basançardé dans la pièce. Donc un frigo, c'est un chauffage pour la pièce. D'ailleurs, quand on prend une climatisation, ça fait quoi ? Ça fait exactement la même chose. Ça, c'est votre pièce. Et en fait, vous envoyez de l'énergie de votre pièce vers la source chaude, qui est l'extérieur. Voilà. Donc, trois systèmes, trois machines thermiques. Je vais quand même écrire machine thermique, Il y a trois machines thermiques, le moteur, la pompe à chaleur, le frigo. Et du coup, pour exploiter ces trois machines thermiques, à chaque fois, vous avez besoin d'une source chaude, d'une source froide. Dans le premier cas, on va chercher à avoir un flux naturel. Donc, on brûle du pétrole. En brûlant du pétrole, on obtient de la source chaude. Et on va l'éjecter à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est la source froide. Et on va utiliser ce flux naturel pour en extraire du travail. Et dans l'autre sens, on bourre de travail à l'intérieur pour contrarier le flux de chaleur et inverser la réaction naturelle de développement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'UA
Rapidement, ce sera sur l'énergie nucléaire, et avec ça, on aura couvert tout le chapitre. Bien sûr, hein, ce ne sera pas complètement fini pour nous, puisque en classe, on fera des exercices. Donc essayez, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, de vous remettre à jour sur ce qu'on a fait en classe. Vous avez le global, vous avez le contenu du cours, avec la prochaine vidéo, et puis voilà, ça devrait être déjà pas mal pour nous occuper pour notre programme de sciences de base. Je vous dis au revoir, bon courage avec cette vidéo, n'hésitez pas à la repasser pour prendre des notes, reprendre des synthèses, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon travail et un bon courage surtout. Ah, c'est pas moi.